Bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour à ceux qui sont connectés, partagez. On va faire un bref direct de sensibilisation, un bref direct d'encouragement. Un bref direct pour un grand big up aux combattants du 237 du Cameroun. Partagez. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour... Le truc, s'il va bouger là, quand ça va bouger, ça va tomber. Est-ce que vous êtes prêts pour le 18? C'est ça la question. Est-ce que la famille, vous êtes prêts pour le changement du Cameroun pour le 18? Attendez-moi, je partage d'abord le direct parce que la bonne la charité commence par soi. Mais bonjour Landy Vondo. Bonjour J.A.E.K.A.R. du Camer. Bonjour Sauterelle. Pardon, Sauterelle. Autant pour moi, c'est pas toi chérie. Bonjour Sorel. Bonjour, autant pour moi. Bonjour Timo Ben. Partagez vite le direct. Partagez. Bonjour Karine, oh madame, la dame forte. La dame forte, je vois comment tu t'es poumonné à pouvoir amener la stabilité et la paix. Que tu sois bénie chérie, vraiment. Vraiment, il n'y a que toi qui peux avoir la force comme ça pour parler, pour pouvoir faire comprendre certaines choses que certaines personnes pensent tout bas. Bonjour le visionnaire fondateur. Bonjour le visionnaire fondateur. Bonjour Sorel. Guéné. Partagez. Bonjour, Tanislas. Car vous avez les noms. Vous avez souvent les noms. Que parfois, quand elle lit comme ça, elle dit que non. La respiration de ça. L'inspiration de ça, Stanislas. Bonjour, Mota. Bonjour, visionnaire fondateur. Le visionnaire. Le nom là, non, ça m'a marqué. Ça, moi, j'ai gardé ça totalement parce que, voilà, il faut avoir des grandes visions pour pouvoir changer complètement la dorme comme l'a fait notre président élu, le professeur Maurice Kamto. Il était visionnaire. Il avait visionné l'affaire là depuis. Il savait que non, rien n'aurait arrêté le train du changement. Et c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on va s'époumoner jusqu'à ce que l'ordre revienne au Cameroun. Papa, ton nom là est trop... Bon, vous avez dit, ne mettez pas les ou là au suivant, non, vous n'êtes pas les Allemands. Si c'est Papa, c'est le kung fu. Même lui, ton nom me dépasse. Il veut me mettre le pied, il veut seulement mettre un like parce que tu vas comprendre qu'au moins il t'est salué. Vous mettez les noms que les gens, les enfants peuvent lire. Mettez les noms que nous, on sait que nous on peut lire là, on comprend. Ce qu'on lit quand même. Et qui est? Quel genre de nom ça? Kung Fu, Feng Fu. Ouais, même le like. Voilà, il vient de mettre un like. Comme ça, tu vas te reconnaître. Le nom est trop compliqué. Ah! King Fu, Fang Fu. C'est quoi le cacha chinois? Quel genre de Kung Fu comme ça là? Bon, bonsoir. Bonsoir Fla. Fla de Patou. Bonsoir les Membanga. Barga, autant pour moi. La famille, il y a tellement les news qui se sont passées. Ne pas comme tu lapes ton nom, non. Faut bien laper. Parce que si il n'y a pas tel lap derrière, tu allais dire que non, il a fait le Congo. Mieux lap devant toi. Tu comprends que ton nom là, t'as dépassé l'entendement. Voilà. La famille, il y a tellement les choses qui sont passées les derniers jours-ci. Yes, l'affaire ici. Et comme on est en train de préparer notre grand événement de coup de grâce là où on dit seulement que les choses vont changer là.
Donc, on planifie tellement les choses pour qu'on puisse avoir le temps pour ce jour-là. Il faut y avoir un petit truc comme ça, un peu là, qui fait en sorte que quelqu'un soit pas présent. Donc, c'est le work seulement. On établit tout. Mais les choses sont passées. Ah! Papa, comme toi, tu es fort. En prison, tu fais travailler les gens. C'est le travail que vous voulez voir. Il fait travailler jusqu'au mort. Si elle savait que le travail, si le papa là savait que son travail allait être comme ça, je vous jure que peut-être il aurait réfléchi d'abord. Il aurait réfléchi d'abord avant de donner le work comme ça au camé. Massa! Les gens qui changent comme s'ils changeaient les caleçons. L'autre qui vient là, dit l'autre fois que oui, il avait dit qu'on n'enferme pas le professeur Kamto. Avant que la nuit n'a sonné, il a changé de parole. Pourtant, c'est lui-même qui demandait qu'il faut qu'on l'enferme. Les choses ont beaucoup changé en quelques semaines. Les choses ont tellement changé en quelques semaines que si toi, tu ne seras pas là le 18, tu vas regretter ça toute ta vie de ne pas avoir contribué. Tu vas regretter ça toute ta vie de ne pas avoir mis ta main. Pardon, il faut d'abord même que quelqu'un m'envoie le lien Litchi. Vous savez que la famille, c'est la tontine. Karine, je t'ai vu aller, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Jette-moi le lien Litchi pour que je puisse l'épingler. Chaque fois que moi, je fais, ça ne donne pas. Ça me donne une page qui ne s'ouvre pas. Donc, si quelqu'un est là, qu'il me donne le lien Litchi pour que les vrais tontineurs tontinent. Voilà, c'est là où viendra le changement. C'est là où vous-même, vous allez confirmer le code de le 18. Ils disent que tout ce que nous on fait, ça ne marche pas. Comme babadon, 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 non. Ils vont voir après le 18 là, ils vont comprendre, ils vont confirmer le code. Ils vont confirmer le code parce que c'est avec certitude. On sait que ce que nous on va faire, c'est quelque chose qui sera grandiose et qui va marcher. Ah oui, ils vont confirmer le code. Que comme les garçons valeureux là se sont levés, ils se sont plaints, ils sont criés, ils ont cassé l'ambassade là. Que quand le Camerounais se lève vrai pour sa chose, il fait ça avec toute la colère possible. Parce qu'il sait qu'il y a gain de cause. C'est comme ça qu'on aura gain de cause le 18. Et malheur, même pas malheur, parce que ce n'est pas un malheur. De toute façon, si le Cameroun est libéré, même toi, même qui ne seras pas à la marche là, tu vas bénéficier. Mais il aurait été mieux que tu y sois. Tu vis l'événement en live. Oui, tu vis toi-même l'événement en live, tu vis toi-même la sécurité, que tu vas toi-même voir comment, ça sera comme si on t'a, mais je n'arrive pas à expliquer, on ne peut pas expliquer ça, on ne peut pas expliquer ça, c'est comme si tu me demandais ta première marche là, explique-nous un peu, ça avait été comment, je ne peux pas t'expliquer, j'étais seulement au Cameroun, c'est tout ce que c'est, tout ce qui sortait de ma bouche là, c'était seulement comme si j'étais à la poste centrale, ou bien à Etoudji, oui. Et c'est de ça qu'il est question. Viens vivre ce moment fatidique avec nous. S'il vous plaît, envoyez-moi le lien pour que je puisse épingler. S'il vous plaît, je vous en supplie. Moi, je n'arrive pas. Bonsoir, Espoir. Bonsoir, Charles Duclerc. Bonsoir, Sarah, Johnny. Pardon, partagez. Partagez ce direct. On va ressasser un peu tous les événements qui se sont passés entre-temps. On va ressasser... moi, je comprends pas. Et quelle est l'affaire si le groupe si. Donc, quand il faut traumatiser les gens, quand il faut affamer les gens, quand il faut tuer les gens, quand il faut faire tout ce qui n'est pas bien, on est d'un commun accord. Mais le jour où la mort te prend là, ça te lâche. Quand la mort te prend, même les condoléances, mon frère, on ne te donne pas. Voilà le système dans lequel nous vivons. Massa. Même les condoléances de ça. Non, il n'est pas pire que la mort dans la vie. Franchement. Je crois quand même que même si tu es haineux comment, même si tu es méchant comment, ce jour, quand ce jour-là arrive, au moins le devoir voudrait qu'on ait pitié. Mon frère. Même les condoléances des gens avec qui tu as fait toute une carrière de vol, de pillage, de corruption, de traumatisme, de verser le sang. Même les condoléances, les gens là ont oublié. Ou c'est l'oubli, ou c'est quoi, ou je ne sais pas.
Même à son pire ennemi. Même à son pire ennemi, il y a des choses qu'on ne souhaite pas. Hmm? Ah, Belinga. Ok, ya. Ah, Belinga et Boutou. Oh, oui, ya. Zanga comme Belena, à Wall, Zanga comme Belen, qui a cru un jour. Parce que c'est bien beau de traumatiser les gens, hein, mais vivez pour toute une décennie et toute une vie. C'est bien beau de mettre les gens affamés, hein, mais vivez et ne mourrez pas. Ce n'est pas qu'on se moque de la mort de quelqu'un actuellement. Mais on veut vous montrer que la mort n'est rien et que la vie non plus. Ça sert à quoi d'affamer votre peuple? Ça sert à quoi de ne pas écouter votre peuple? Ça sert à quoi? Yonga bunana abelinge butumasilo wo ovomono le. Parce que je suis que peut-être tu es même encore à la mort. Et quand je parle comme ça, ton esprit, tu nous écoutes. Et tu vois toutes les saletés qui sont restées derrière toi. Et tu vois tout ce que vous avez fait dans ce gouvernement jusqu'à présent. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et en même temps que, pardon, que quelqu'un qui est connecté m'envoie le lien pour que je puisse épingler. Le lien du Liti. Le lien de Njangi. Il n'y a que le Njangi qui va nous sauver, qui va lever le Cameroun du pétrole. Le Njangi. C'est ça que j'ai dit là. Le Njangi. Parce que le travail de ça, c'est le Njangi. Si vous croyez qu'il y a une autre personne qui va venir nous aider et qui va venir nous faire survivre, détrompez-vous. Parce qu'on les attrape même avec les milliards, les gars brûlent. Donc c'est le Njangi là. C'est le Njangi là qui va nous aider. C'est le Njangi là qui va nous faire seulement faire en sorte que, même en 10 ans, on va remettre notre pays sur pied, mais plus avec les mêmes gens. C'est le Njangi. Je vous en supplie. Envoyez-moi, vous, combattants qui êtes connectés, envoyez-moi le lien pour que je puisse épingler selon Njangi. Ah, Belinga et Boutou, oh oui, ah. Ma koumou, on s'il en s'ili. Tionga bounena, ah, ou. Ah, Belinga et Boutou, oh, dja, ya, ou. Comme on dit à ma langue maternelle en bantou, tu es vraiment mort. Tu es vraiment mort. Ça sert donc à quoi maintenant de payer les gens, de venir insulter les autres qui disent la vérité sur le Cameroun? Vous voyez donc que ça ne paye pas, non? Ça n'aide pas, non? Ils sont où maintenant? Vous avez deux, hein? Moi, j'ai demandé à la maman du RDP, c'est là, là, qui était sur Equinox, que maman, tu viens dans les chaînes de télévision. Vous avez deuil, le gourou est mort. Va d'abord pleurer le deuil avant de venir dire ici que l'ONU est montée, que c'est descendu. Allez pleurer le deuil. Allez pleurer le deuil comme nous on est en train de pleurer nos prisonniers qui sont enfermés. Allez pleurer le deuil. Même jusque-là, nous on vous montre qu'on n'est pas haineux. On compatit. On compatit. Mais la question est que, oh Beléaou, tu es vraiment. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Mes chers frères et sœurs, la vie n'est rien. Donne autant d'amour, autant que tu vis, tout autour de toi. Laissez-nous le Cameroun, on le rétablit d'un bon commun accord. Assez les morts du Nozo. Sinon, on ne mourrait pas alors. Obeleyaou. Obeleyaou. C'est que... Ah, merci, merci Warren Smith. Ah, je viens de voir le lien. Oh, merci chouchou. Voilà, la famille. Vous savez que dans toute chose, on vous a dit que c'est le Njangi. Donc avant même de parler tout, Ambala, pardon, cotise d'abord. Cotise d'abord parce qu'il ne nous reste plus que le Njangi qui va nous faire en sorte que le Cameroun puisse être rétabli. Cotise d'abord, pardon. On va parler, on va raconter tout ce que vous voulez là. Mais pour le 18 là, le coup de grâce, c'est intéressant et c'est important. Cotise d'abord. Cotise d'abord, même si c'est 1 euro, même si c'est 10 euros, même si c'est 5 euros, mets d'abord quelque chose, je vous en prie. Je vous en prie, parce que vous-même, vous savez que pour eux, quand on les attrape avec l'argent du peuple, ils brûlent. Ils brûlent les milliards. Tu brûles le gros cœur de ça, tu ne pouvais même pas donner aux voisins. Tu ne pouvais même pas appeler la cousine. Tu ne pouvais même pas dire, donner au quartier pour que le quartier dise au moins que lui, il avait volé, on l'a attrapé, il nous a quand même donné. Ya! Tu brûles.
Voilà, Belinga et Boutou n'est pas parti avec quelque chose. Il est mort, hein? Il n'est pas parti avec quelque chose. Je vous promets même que même le dernier caca, il a d'abord déposé. Parce que même l'autre là, Dieu est mauvais. Dieu t'enlève ça. Il te dit que même la nourriture que tu as mangée là, tu ne pars pas avec. Remets tout. Oui. Il a laissé, il a déposé. Ça sert à quoi de faire du mal? Ça sert à quoi de tuer les gens du nozo? Ça sert à quoi de traumatiser le peuple camerounais qui se meurt quotidiennement et que vous venez vous mentir dans les chaînes de télé, dans tout ce que vous voulez entendre? Vous dites que non, il n'y a pas de mort. Vous dites que non, il n'y a pas de souffrance au Cameroun. Jusqu'à aller bien, même une personne qui est là comme ministre chargé de pouvoir régler les choses du Cameroun, tu viens d'ici là qu'on peut vivre avec 36 000 francs au Cameroun. Waouh! 36 000 francs! Papa, toi-même, tu mangeais 36 000 francs par jour. Parce qu'on connaît votre high level de vie. Tu manges avec 36 000 francs par jour. Donc vous mourrez aussi. Donc vous mourrez aussi. Moi, je croyais que non. La qualité que vous parlez, même dans les chaînes de télévision, là, c'est le genre que même la mort, là, passe, ça ne te prend pas. Que ce n'est que les nous, là, comme cela. La qualité que le mensonge de ça transperce. La qualité que dès que tu veux ouvrir la bouche pour dire la vérité sur le Cameroun, on dit qu'on va t'attraper. Tu vas mourir. On a déjà jeté la peur. Venez même attraper. Allez même enfermer. Faites même ce que vous voulez. Rien ne va changer que hein, tout le monde connaît déjà votre système. Mais la question est que vous mourrez aussi. Ce n'est pas pour me moquer, je vous le redis encore, ce n'est pas pour me moquer, c'est pour vous faire comprendre que il y a caillou qui t'attend devant. Alors, il vaudrait mieux faire des bonnes choses sur terre, tout autour de toi, afin que ce caillou-là te soit léger lorsque tu traverses au-delà. Vous mourrez aussi. On ne finit même pas de parler. Encore sur une autre radio de la place. Le même ministre qui vient nous faire comprendre qu'on peut vivre avec 36 000 vient démentir ses propres propos. Yes, je ne comprends pas. Oui, le RDPC, c'est un parti politique maudit. Où personne n'a une seule langue là-bas. Où quelqu'un, quand quelqu'un parle... Ça ne peut même pas faire deux minutes, il te redit autre chose de ce qu'il vient de te dire. Il dit que non, ce n'est pas ce qu'il avait dit. Hein. Qu'il n'a jamais dit que le Camerounais pouvait vivre avec 36 000 francs. Non. Il dit qu'on peut vivre avec 36 000 francs. Même si on... allez, les 36 000 francs peuvent te permettre quand même de pouvoir vivre, même si ce n'est pas que tu vis bien. C'est faux. Parce qu'il dit la même chose, mais différente. Comment tu dis la même chose différente? Les 36 000 francs, c'est quand même une base qui peut te permettre de pouvoir quand même vivre, mais pas décemment. Après, tu dis encore que non. On peut bien vivre avec 36 000 francs au Cameroun. Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je dis que le Cameroun peut rendre fou. Vraiment, comme Richard Bonnard avait dit, le Cameroun peut rendre fou. Et que si tu comprends le Cameroun, c'est que non, on t'a mal expliqué. Et puis, le grand Wilfried de Kangavia encore dit que si tu comprends et que tu as pu comprendre, c'est que tu es Sardina. Vrai, vrai, c'est que tu es Sardina. Béatrice, toi-même là, tu vas cotiser parce que la libération du Cameroun, c'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un. Lorsqu'on s'est gosé, on s'est poumon à pouvoir dire qu'il faut que les choses changent. À pouvoir dire que les choses qui se sont passées il y a 1900 ouais, ne se répètent plus. Toi, on te vole quotidiennement. Ce n'est pas les 10 euros ou les 5 euros que tu vas venir donner ici qui vont faire en sorte que... Tu comprends? Ça te rétablit tout ce qui est au Cameroun. Ça ne vaut même pas la peine. Ah oui! On te vole tous les jours de ta vie jusqu'à brûler les gens devant toi. Misérable que tu es où tu te trouves. Oui!
Tu ne t'es pas levé ici pour venir partir dire là-bas que l'argent de la canne est passé où? Tu as laissé tomber, même te révolter, même parler, même dire que merde, c'est l'argent de la nation. Tu viens parler ici du litige. Laisse-nous cotiser, laisse-nous djanguer. On va faire notre djangui. Et tu n'es pas obligé. Et avec toi, sans toi, cette révolution sera effective et ça va être là parce que c'est le temps du Cameroun et Dieu a mis sa main là-dessus. Que tu le saches et que tu le veuilles ou non. C'est comme ça. Ah oui, et avant même de bavarder là, je te dis que tu vas cotiser. Cotise d'abord. Oui, c'est de ça qu'il est question. Ici, on ne demande pas la vie, c'est la survie d'une nation. Oui, c'est la survie d'une nation qui est en jeu. Et même si tu ne veux pas cotiser parce que tu dis que ah waouh, ton argent va partir, waouh waouh, on est en train de voler, waouh waouh, viens quand même marcher alors. Tu dis que tu es patriote, non? Viens au moins marcher pour prouver que non, tu voudrais qu'il y ait un changement. Que tu ne veuilles pas, si c'est Camto, que tu ne veux pas, si c'est Cabral, que si tu ne veux pas, que on a le même intérêt, la survie du Cameroun. Viens marcher, je t'invite massivement. Et puis tu viens me parler ça en live. Tu viens dire à la Twins en live que oui, vous volez l'argent des gens. Oui, vous prenez cet argent-là pour faire X et Y. Viens me dire. Et puis moi, je vais te montrer aussi en live tout ce qu'on a fait, pu faire pour cet événement afin que toi, tu puisses avoir la paix. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Oiseau qui est? Ma building pour le lightbox. Pour le lightbox? Eh ben, voilà, il est créé, de nouveau. Mais tu vois, il me donne. Il vient dans le droit, il vient dans le droit. Il vient dans le droit. Il y a quelques actes de casse avant de faire un zin, c'est à la de clé, tu es. Eh, what, what, what? Mais tu vois, il me donne. Do de 10% bovenop weg. Par ça, toi? Il y a une vitrine, madame. Oh, ik heb niemand kort in. Ja, maar doe dat weg nu. Want dan worden veel te veel gevraagd. Subit. Ik heb de vitrine al daar, ik moet gewoon nog die lightbox veranderen. Het is goed, doe maar. C'est de ça qu'il est question. Donc vous, avant que vous allez venir dire ici qu'on est en train de voler les litiges, qu'on est en train de montrer que c'est descendu, qu'on prend l'argent des gens, ça là, à gauche, ça là, à droite, je vais d'abord vous poser une question. Votre brigade anti-patriote, des vrais patriotes, qui sont partis faire tout un plan, un montage de je ne sais pas quoi, aller demander près de 40 millions, 45 millions de francs CFA, des Camerounais, des souffreteux, pour pouvoir aller au Cameroun, rien que marcher pour le 20 mai, pour dire qu'il représente les vrais patriotes comme moi-même, si là, regarde moi-même là. Je ne suis pas patriote. Tout ce que je te raconte là, ça ne va pas pour le patriotisme. Mais est-ce que je suis venu te demander 40 millions pour aller marcher au Cameroun? Tu crois même que même si je vais au Cameroun, je vais venir te demander le billet d'avion. Je n'ai pas besoin. Mais les 5 euros là, les 10 euros là, pour l'organisation de la sauvegarde de ton propre pays, ma soeur va d'abord cotiser avant de venir m'insulter. Ah oui, si c'est pour aller donner aux brigades antipatriotes, des antipatriotes, je n'ai pas dit des brigades patriotes même, parce que c'est antipatriotisme, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Les ministres ne vont pas se balader tout le temps en Europe avec des mallettes d'argent pour venir donner aux gens comme vous, parce que toi qui es en train d'insulter pour les litiges, ce n'est pas le Camerounais lambda, on vous connaît déjà. Le vrai Camerounais lambda encourage les efforts de la diaspora. Le vrai Camerounais lambda, c'est que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour sa survie et c'est pour le libérer. Le vrai Camerounais lambda comprend réellement tout à l'intérieur de lui. Je ne parle pas du Sadina, je ne parle pas des antipatriotes qui passent le temps à voler, qui se sont fait du business dans les directs, disant qu'ils sont des patriotes. Pourtant, c'était un business pour voler de l'argent à l'État encore camerounais. Pour venir maintenant embrouiller les vrais patriotes. Comme les nous. Moi, je suis patriote. Parce que entre deux temps, deux secondes, deux si, quand j'ai du temps, je viens pour sensibiliser. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Je suis patriote, c'est pour ça que je dis que tu devrais avoir de l'eau. Tu devrais avoir des routes. Tu devrais avoir une situation de vie convenable. Pardon, maman. Tu as fini d'insulter, non? Tu as fini de parler de mon litige, non? Tu as fini de dire que c'est monté, c'est descendu, non? Va alors maintenant cotiser. Cotise. Après, tu reviens. Après, tu reviens me dire autre chose. Si ce ne sera pas que mes grosses lèvres. Si ce ne sera pas que oui, embrouillez-vous là-bas, il est tout dit. Ce n'est pas grave.
Mais cotise d'abord. Et puis viens marcher. Le 18, on t'attend. Le 18, tout le monde devrait être présent. Parce que ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. C'est l'affaire du peuple camerounais. C'est la survie de notre nation. C'est non au passage de gré à gré. Non. Non, 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 non. C'est pas la royauté. C'est pas la royauté. C'est pas la royauté. Et tout Camerounais sincère, normal, qui a le sens là, qui est intelligent comme les Camerounais sont intelligents là, devrait comprendre ça. Et il devrait se lever pour ses propres intérêts. Donc voilà. Sur ce, je viens vers vous, chers combattants du 237. Je viens vers vous, les gars. Vous. Cette semaine-ci et la semaine prochaine, soyez stratèges. Ne faites même pas des directs pour venir parler ce que vous allez préconiser ou bien ce que vous allez mettre en vue ou sur pied. Soyez stratèges. Ah oui, la petite fille de Oumyobé est venue vous donner le secret. La petite fille de Douala Mangabel, de NS Wandie, est venue vous dire comment ça se passe. C'est parfois en parlant sur les directs qu'ils arrivent à prendre les miettes. Les miettes et récolter, ça fait un ensemble pour venir vous traumatiser. Non. Soyez stratèges, comme les gens de la diaspora le sont. Vous avez compris, non? On fait les directs, oui, on peut les sensibiliser, oui, mais le vrai travail ne se passe pas sur Internet. C'est là où ils n'ont pas compris. Et c'est là où on a toujours une longueur d'avance sur eux. Je suis au boulot. Tu ne savais pas? Je suis au boulot. Je suis au boulot, au vrai boulot même. Comme chef d'entreprise, je suis dans mon boulot. Et dans le boulot, je fais un autre boulot. Va dire. Tu as compris, non? Jean de Dieu Garama. Et si tu as même besoin, donne-moi ton nom. Je vais t'envoyer le West New York. Comme. Oui, je suis au boulot. Je suis au boulot parce que je sensibilise pour ma nation. Je suis au boulot parce que je veux le changement. Et je suis encore au boulot même parce que je trouve de l'argent pour pouvoir aider le même Cameroun. Ah oui, je suis au boulot. Je suis au boulot. Et en même temps, avant de continuer, va cotiser. Cotise sur le litchi en bas. Je suis au boulot. Et puis viens marcher, viens à la marche. Parce que c'est que tu es quelqu'un de la diaspora. Ce n'est que vous qui insultez. Ce n'est que vous qu'on a payé. On a donné les mallettes d'argent pour venir traumatiser les gens. Ah, quand on va te demander que Betty, c'est quoi? Betty, c'est quoi? Qui sont les Betty? Donc, pour toi, Douala n'est pas Betty. Qui sont les Betty? Tu connais l'histoire de ton pays. Donc, Betty, c'est vous. Chez vous, c'est seulement quand on parle boulou, quand on parle les Wondo, quand on parle je sais pas quoi. Betty, c'est quoi pour vous, pour toi? Betty, c'est quoi? Les Betty, les Bantou, c'est quoi? Allez cotiser le litchi, pardon, c'est l'Ondjangi qui parle, l'Ondjangi. Combattant 237, vraiment big up. Parce que je vois les dernières semaines, vous êtes vraiment très actifs. Vous travaillez, vous faites un travail vraiment, mais parfois je vous réponds pas, mais je vous dis que je vous suis. Vous êtes déjà organisé, ça commence à prendre de l'ampleur. C'est tout ce que nous on avait besoin pour compléter le travail que la diaspora se poumonne à faire. Les vrais patriotes de la diaspora, pas le les vrais patriotes de la diaspora, les vraies personnes qui se dévouent pour le vrai Cameroun prospère que nous voulons, hein? N'attendions que ça, que vous vous levez de votre côté, que vous fassiez comme nous nous faisons afin que nous puissions joindre nos efforts communs et que on puisse avancer et progresser, aller de l'avant. Oui, vous avez déjà mis sur pied votre plateforme. Agrandissez votre plateforme. Allez dans tous les quartiers, je vous en supplie, parce que là, il s'agit de la survie du Cameroun. Allez dans tous les quartiers. Essayez de prendre au maximum. Essayez de recruter au maximum des jeunes, parce qu'il y en a plein qui ont la même pensée que nous. Il y en a plein qui réfléchissent que nous. Il y en a plein qui veulent le changement. Sachez qu'il n'y a plus rien à avoir peur de nos jours maintenant. C'est fini, la peur a changé de camp depuis longtemps. Ça a changé de camp depuis longtemps. Et actuellement, tous les regards du monde sont braqués sur Cameroun. Personne ne pourra rien vous faire. C'est à vous d'arracher
vous entendez comment ils disent eux-mêmes dans les chaînes de télévision, ils confirment que eux-mêmes, les gens de l'extérieur ne pourront pas venir arranger vos problèmes. Les gens de l'extérieur ne pourront pas venir arranger vos problèmes. Il n'y a que vous qui pouvez vous décider aujourd'hui de se lever et dire que vous changez les choses. Ah oui, vous pouvez changer les choses parce que le pouvoir appartient au peuple, ça appartient pas aux gens. Oui. Essayez de voir comment vous réclamez vos causes. N'acceptez pas que ce pays-là soit partagé comme un gâteau. N'acceptez pas que ce pays-là il soit dirigé comme il est dirigé actuellement. Avec aucun sens de survie. Avec aucune réalité totale. Ah oui. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Je lance un appel ici à tout combattant 237. Remplissez-nous les rangs. Soyez au-devant de l'action. Parce que le changement viendra de vous, pas de nous. Nous, on a déjà fait la part de choses. Jusqu'à ce que le monde a déjà les regards sur le Cameroun. C'était le but, c'était le but. Ils vont maintenant se jeter la vedette ici, sur Equinoxe. Et tu entends celui-là ou celle-là qui dit, oui, c'est le président qui a demandé à l'ONU de venir. C'est le mensonge qu'on ne vous mente pas. C'est le mensonge. C'est le mensonge absolu. Il n'y a aucun président ni aucun membre du gouvernement qui a demandé que l'ONU soit au Cameroun. C'est les plaintes de la diaspora. C'est leur marche quotidienne. C'est les plaintes qu'ils ont passé le temps à envoyer à l'ONU, à agresser les sociétés, à agresser. Mais ils étaient partout comme la pluie en même temps. C'est ça qui fait venir l'ONU au Cameroun. C'est ça qui fait venir Mme Bachelet au Cameroun. Ce n'était pas sous ordre présidentiel. Mais comme ils sont toujours habitués à mentir, et comme vous êtes toujours aussi habitués de ne pas suivre les vraies chaînes, on vous fait seulement suivre les chaînes tribales. Vous allez croire que tout ce qu'on vous raconte là-bas, c'est la vérité. Alors je viens à Mondiovision parce que c'est qu'au moins 80% qui me suivent sur la page des tweets, ce sont les Camerounais, qu'on ne vous trompe pas. Ce sont les gens de Douala, de Yaoundé. Sachez que Bachelet, Madame Bachelet n'est pas venue au Cameroun pour les beaux yeux de Biya. Ce n'est pas lui qui l'a invité. C'est à cause des plaintes de la diaspora. C'est à cause des marches de la diaspora. C'est à cause du fait où on dit que non, on ne veut plus. On ne veut plus laisser le nos autres tranquilles. Oui. Au début, ils parlaient d'ingérence. Maintenant, ils disent que c'est eux qui ont invité. Quelle incohérence dans tout leur bavardage et leur parole. Pourquoi ce n'est plus l'ingérence aujourd'hui? Pourquoi vous voulez maintenant ravir la vedette? Ce n'est plus l'ingérence. Non, on ne veut pas les pays étrangers chez nous. Ils font même d'abord quoi? Est-ce qu'ils sont venus contrôler? Il y a la paix au Cameroun. C'est monté que c'est descendu, ça là, à gauche, ça là, à droite. Ah oui, mais maintenant, quand vous avez vu, elle est maintenant venue, comme vous êtes les vrais, vrais, vrais Thomas. Vous voulez d'abord voir avant d'accepter. Maintenant, vous dites que pour détourner, c'est parce que c'est le président qui a demandé qu'elle vienne. Qui est même président, même d'abord chez vous à la fin? C'est lui qui a demandé qu'on vienne pour venir contrôler que tout va bien au Cameroun. C'est ça, non? C'est ça. Mais sachez que vous continuez à faire la tête du non. Moi, je suis toujours ici en train de passer. Après, moi, je vais sortir seulement dans mon petit glissement, partir me reposer dans mon petit coin. Avant de revenir encore, vous dire ce qu'il faut. Vous faites la tête du non. C'est quand vous allez voir les répercussions que vous allez accepter. Comme vous êtes des Thomas, vous êtes toujours, on ne peut pas faire ça au Camerounais. On ne peut pas venir nous dire comment on va fonctionner. On ne peut pas venir dire, quand il faut prêter l'argent des gens, là, oui, il n'y a pas d'ingérence. Oui, il n'y a pas d'ingérence. Mais quand il faut maintenant accomplir tous les pactes que tu as signés, là, il y a ingérence. Continue à faire ta tête dure. Ne mets pas la paix. Ne libère pas les gens. Ne libère même plus. Parce que le professeur Maurice Kamto, il est plus tranchant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Laissez-le là-bas dedans. Moi, je voudrais même que vous le conservez encore bien. C'est là où vous allez confirmer le code. Au fur et à mesure que vous dites qu'il faut qu'il reste là-bas. C'est là où vous avez tous les traumatismes de la planète Terre. Moi, je ne savais pas que vous mourrez aussi. Vous croyez que quand vous mourrez là, c'est quoi? C'est la crise cardiaque, c'est trop de soucis.
Oui, c'est trop de soucis. Le fait que vous restez comme ça, le papa là vous donne le travail. Tu restes comme ça, toi-même tu sens comment que, gars, tous les milliards que j'ai mis en Europe, on va confisquer tout ça. Ça te donne les soucis jusqu'à ça t'importe. Ah oui, restez seulement là-bas, on va vous donner le travail. Et sur ce, la famille, n'oubliez pas la tontine en bas, cotisez la tontine. Cotisez la tontine du chassement, cotisez la tontine en bas. La tontine qui va nous permettre d'avoir un Cameroun nouveau. Parce que ici, s'il s'agit de tontine, il n'y a personne qui viendra nous aider. Je vais le répéter encore 1101 fois. Il n'y a personne qui viendra nous aider. Quand on les attrape, même avec notre propre agent qui vole, ils brûlent. Ah oui, que ho-ha, on ne vous donne pas. Mieux même, on brûle tout le monde de paix. Voilà leur cœur. Voilà leur cœur. Voilà leur cœur. Le gars vole, il vole. On l'attrape alors. Partage avec ton frère ou donne à ton frère. C'était même pas ton argent, c'était l'argent de tout le peuple. Tu brûles. Donc pour nous, là, c'est seulement la tontine. Afin qu'on ait un Cameroun nouveau. En bas là-bas. Où tu as vu en bas là-bas, il y a la tontine. Après, cotise seulement. Cotise seulement. Ah oui. Cotise seulement. Et j'aimerais exhorter le peuple maintenant. Il est bien vrai, chaque fois qu'une petite nouvelle arrive, on peut se concentrer sur le fait. On peut lancer, par exemple, une petite blague en passant. Mais ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire parce que tout ça, ce sont toujours les mêmes distractions afin que le peuple perde le sens de son intérêt. Ah oui. Afin que le peuple perde le sens de son intérêt. Le fait que voilà, Belinga et Boutou viennent mourir. Les gens vont rester là faire les blagues. Parler de la tinza de Belinga et Boutou. Parler de lettres anonymes. Parler de ci, de... Non, c'est pour nous distraire. On a passé le message depuis hier, c'est bon. Maintenant on arrête, on continue le combat dans un autre sens. Oui. Ah oui. Maintenant, on arrête. On continue seulement le combat dans un autre sens. On se donne rendez-vous le 18. Parce que le 18, quand tu ne seras pas là, tu aurais vraiment, vraiment manqué une grande occasion de pouvoir accomplir ce que nos aïeux avaient déjà commencé. Ce que nos martyrs avaient déjà commencé. J'étais de 10 ans, ça continue la dernière fois dans le direct des combattants 237, où je vous expliquais que le Cameroun, en réalité, n'a jamais été une colonie française. Quand vous enlèvez ça de la tête, nous n'avons pas été colonisés. Oui, de langage, avec le nom, avec le dialecte, avec oui. Nous avons été, nous, autant pour moi, nous n'avons pas été colonisés, mais nous avons été sous tutelle. Nous avons été sous tutelle. Oui. Nous avons été sous tutelle. Et quand on dit sous tutelle, c'est quoi? C'est comme si tu accouchais ton enfant ou tu as adopté un enfant. Tu fais grandir cet enfant. Tu élèves cet enfant. L'enfant devient grand. Quand il atteint sa maturité, soit tu le laisses partir afin que cet enfant-là puisse avoir son indépendance. Ou soit, l'enfant lui-même va décider un bon matin te dire que papa, maman, sorry, je suis déjà grand ou grande. Je voudrais aller habiter seul. Ou je voudrais faire mes choses seul. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, le Cameroun, la jeunesse camerounaise actuelle qui nous sommes, nous ne voudrons plus être sous tutelle de qui que ce soit. Non. Même gouvernementalement, nous ne voulons plus être sous tutelle. Si tu ne respectes pas le code, si tu ne respectes pas les lois, si tu ne respectes pas les finances, si tu ne respectes pas le Camerounais lambda, même sous ta tutelle, on ne veut plus. Oui. Même sous ta tutelle, on ne veut plus. On veut être indépendant en nous. On veut avoir notre autonomie en nous. Parce que le Cameroun n'était pas
n'était pas, je dis bien, je le répète encore, le Cameroun n'était pas colonisé. Il a été sous tutelle et tu es le seul pays de l'Afrique qui s'est battu pour obtenir cette liberté-là. Oui. Tu t'es battu, les autres, on a donné l'indépendance. Toi, on ne t'a pas donné. C'est quand on a vu que tu te bagarrais, que les Oumniobela ont dit jamais. Les Douala Mangabel et consorts ont dit jamais. On a vu comment les gars étaient féroces. On a dit non, il ne faut pas qu'ils viennent donner la sagesse aux autres pays africains. Il ne faut pas que ces gens-là viennent donner la sagesse aux autres Africains. Ils ont dit, ok, on va te donner vite, 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 ce que tu veux, prends. Mais par derrière, c'est un piège qu'on nous tendait. Parce que forcément, en nous donnant notre autonomie sous tutelle, eux, ils étaient en train de tuer nos martyrs, ceux qui devaient nous donner la force de pouvoir quitter de leurs griffes. Ils les ont tous fusillés. Ils les ont tous tués. Ah oui? Oui? Donc sache que, étant guerrier comme tu l'as été dans le temps, on t'attend le 18, afin que nous puissions vraiment quitter des griffes de cela encore. Avant de. Mon maillet, pardon, cotise avant de partir, c'est le but. Je veux que tu aies bien mal à la tête pour que tu dégages mon direct. Mais avant d'avoir mal à la tête, là, tu cotises d'abord. Mets 1 euro ou 2 avant de continuer. C'est ça qui est. C'est même pour ça que tu es connecté. Tu crois que c'est pourquoi? Tu vas seulement que souffrir me suivre. Je vous ai dit ici que je ne chasse plus personne. Je passe mon message. Et vous allez que suivre mon message. Parce que vous, je ne vous invite pas. Si tu viens là, ça veut dire que la tune c'est intéressante. Et du coup, tu veux rester. Je ne t'insulte pas. Vous avez été payé de nature pour ça. C'est vous qui volez l'argent du Cameroun. C'est vous à qui on amène les malais d'argent pour donner, pour traumatiser les directs des gens. Moi, je ne vais pas t'insulter. Hein? Je ne te chasse non plus. Tu vas seulement que souffrir, que me suivre. Dès que tu as fini de me suivre, tu cotises en bas pour ta propre libération. Et puis, je vais finir le direct. C'est ça qui est la vérité. Parce que ici, le Camerounais va apprendre à être au pas. On ne le chassera plus de rien. Parce que quand on les chasse, quand on les bloque, ils disent que oui, vous bloquez seulement les gens qui ne sont pas d'un commun accord avec vous. Ok, on ne bloque pas. Ils insultent parce qu'ils attendent aussi que tu vas insulter. On va dire, regarde alors, c'est ceux-là qui disent qu'ils sont pro-Camto. Ils insultent seulement les gens dans leur direct. C'est une autre forme de tribalisme qu'ils voudraient que tu sortes de ta bouche. Non, nous on a décidé qu'on ne vous insulte plus. On ne vous chasse non plus. Vous allez seulement que souffrir, nous suivre. Et après, tu cotises le lien en bas pour ta propre libération. Et le direct est fini. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est la vérité. Oui. Parce qu'à chaque fois, quand vous insultez, vous pouvez insulter. Nous, on n'a pas le droit de vous répondre. Si on te répond, tu vas dire, regardez alors, regardez les cantoïs là. Regardez. Je ne suis pas Camto, mais je suis pro ses idées. Je vous ai déjà dit ça 1 milliard de fois. Il m'a ouvert les yeux. Je ne suis pas du MRC. Et s'il fallait même que je sois d'un parti dans ma vie, ce n'est que ce parti-là que je prendrais. Parce que c'est le parti de la vérité. Ce sont les gens qui disent la vérité. Ils ne changent pas de parole comme vous dans les chaînes de télévision à chaque 5 minutes. Ah oui. Ils ne se baladent pas avec les mallettes d'argent à gauche, à droite pour soudoyer les gens, pour que les autres insultent. Ils ne font pas les conférences des leaders de l'Internet. Oui, ils ne font pas le genre qu'on vient, on prend tous les leaders du web pour donner de l'argent, pour partir saboter les directs des autres. Je ne suis pas comme ça. C'est pourquoi je suis pro ses idées et je serai avec lui. Qui ne veut pas nia wolun akoro? Akoro fo? Et on ne va plus vous insulter parce qu'on a compris où vous voulez aller avec le Cameroun. C'est toujours en train de vouloir mettre des petits pics dans les dos des gens pour que les gens restent là, continuent à s'attarder sur vous. Vous n'êtes plus intéressant, on connaît toute votre stratégie maintenant. Pardon, changez même de refrain. Changez même la manière de composer vos mélodies. C'est fatigant. C'est fatigant. Donc voilà, tous pro-changement. Nous, on vous attend seulement au le 18. Oh, ça va bader. Au goût de ça.
le goût de ça. Ça va barder. Ça va barder. Ça sera vraiment quelque chose de top. Ça sera vraiment quelque chose de à ne pas manquer pour l'avenir de notre nation. Parce qu'il y aura des choses à raconter à notre progéniture. C'est ce jour-là. S'il y aura des choses à envisager, c'est ce jour-là. S'il y aura de l'espoir même, puisque c'est même déjà concret, c'est même plus quelque chose. Vous-même, vous voyez, ça brûle de l'autre côté. Maintenant, ils se livrent un à un. Ils disent même comment, même ils volent les 45 millions. Ils disent même comment ils sont les... L'autre dit qu'il est vrai patriote que l'autre. L'autre dit qu'il est vrai patriote que l'autre. Qui ne connaissait même pas un Amec qui est sorti. Alors qu'ils étaient là-bas depuis. L'argent est où, c'est monté, que c'est descendu. Que ça cuit déjà. Pour dire que il n'y a que la vérité qui triomphe. Que tu montes, que tu descendes. La vérité, il n'y a rien de caché qui ne soit découvert. Les directs des personnes réelles, les directs des personnes honnêtes du Cameroun va payer un jour ou l'autre. Et vous qui passez tout le temps à faire en sorte que l'information n'accède pas aux Camerounais lambda, vous aurez honte parce que vous avez même déjà honte. Ça a changé. Vous commencez déjà à donner toutes les lettres de signature, de délégation, de dérogation, de je ne sais pas quoi qu'on laissait derrière, non. Les vérités vont seulement commencer maintenant à sortir devant le Camerounais lambda. Afin qu'ils comprennent qu'on l'a caché vraiment tellement de choses dans le système de son pays. Et que c'est à lui maintenant de choisir. Et vu que nous on a déjà compris là. Voilà le Cameroun aussi. Voilà les combattants qui sont déjà aussi levés. Ils commencent déjà aussi à comprendre. C'est terminé l'époque de où on dormait. C'est terminé l'époque où on laissait, où la peur nous envahissait. C'est terminé. C'est terminé où on venait frustrer les gens avec les insultes, avec les paroles. Les personnes ne pouvaient rien dire. Parce qu'ils avaient peur d'un X ou un Y. C'est terminé. Je vais prendre quelques-uns qui demandent la parole. Terminé. Donc, il t'avoue seulement d'être au bas. Et même toi-même là, si tu veux venir parler, toi qui insultes là, tu insultes pour insulter. Si tu veux venir dire pourquoi tu ne vas pas marcher le 18 ou pourquoi tu es contre le changement du Cameroun, viens nous dire. Peut-être que tu es tellement nanti, tu as déjà tellement eu dans ta vie, ton pays c'est le paradis. Viens aussi nous expliquer. Peut-être on peut comprendre, vu que nous on ne comprend pas très bien. Vu qu'on ne comprend pas très bien le déroulement. Donc voilà, ça sert à rien toujours d'insulter machin la cachée. Viens insulter à Mondiovision. Viens montrer aux autres jusqu'où tu peux avoir ton entendement. Excusez-moi, la caméra n'était pas active. Je viens de l'allumer. OK. Je prends alors le visionnaire fondateur. J'aime particulièrement son nom là. Il est vraiment top. On vous dit ici de choisir les vrais noms qui portent même bonheur et chance ou non. Vous partez prendre les noms maudits pour venir embrouiller les gens. Mais c'est pour toi, non? Est-ce que ça dérange? Chacun a le choix, non? Même si tu es... même si Paul Biya est ton président, on t'attend le 18. Viens marcher. Viens marcher. Donc, la famille, c'était pour vous inviter massivement. Vraiment massivement pour le 18. Pour vous dire, venez. Venez, la sauvegarde du Cameroun est moins que nous. On nous a longtemps menti, trompé, comme quoi on nous disait que non. Ben voilà. Comme quoi on nous disait que non, la jeunesse ne devait pas s'occuper des intérêts, les intérêts de son pays. Bon, dire que je voudrais de l'eau ne veut pas forcément dire que tu fais de la politique. C'est pas la politique qu'on est en train de faire. C'est juste que on réclame des causes, certaines causes qui ne sont pas toujours faites au moment opportun. Quand dans le 18, est-ce que tu seras là? Le 18, viendras-tu?
Le 18, célébreras-tu vraiment cette indépendance du Cameroun-là? Parce que vraiment, on va l'obtenir réellement parce qu'on l'a déjà obtenu. Dites-vous que tout est toujours vilipendé. Sinon, il n'y aurait pas eu des gens qui s'égosillent dans les directs à insulter tout le temps lorsque nous sommes en train de parler de la vérité qui se passe. Sachez-le. C'est juste parce qu'il y a une vérité. C'est comme un peu, on vous disait, le labouré et ses enfants. Il y a un trésor qui est caché dedans. Mais vous ne savez pas l'endroit. Un peu de courage, vous le ferez trouver. Ah oui, c'est de ça qu'il est question. C'est parce qu'il y a un trésor caché là-dedans qu'il ne voudrait pas que nous, on sache la vérité. Alors du coup, toute parole que tu pourras sortir de ta bouche, on viendra avec une insulte afin de t'amener à bout pour que tu puisses répondre autrement. Mais non, nous, on ne va plus les insulter. Nous, on va même seulement prendre vos propos, on va les embellir pour que tu comprennes que ça ne nous dérange pas. Non, ça ne nous dérange plus. Nous tous, on sera seulement là-bas le 18. On sera là, on marchera. On sera là, on va crier nos déboires quotidiens. Le jour là, même, pas comme vous êtes en train de bavarder que c'est monté, c'est le même jour là, même. Alors c'est là qu'on ne va même pas travailler. Le jour là, elle va me dire qu'elle va travailler. Elle va te dire que oui, c'est vrai, je ne travaille pas aujourd'hui. Mais pour aujourd'hui là, laisse-moi au moins, je suis dans mon travail, je prends ma pause. I take my break now. Yes. C'est ma pause. Dans ma pause, je peux faire ce que je veux. Mais le 18 là, viens me dire que mouf, va travailler. Elle va te dire que oui, papa, tu as au moins un peu raison. Les autres fois là, tu mentais un peu. Mais cette fois-ci là, oui, tu as raison, je ne suis pas en train de travailler. Oui. On vous attend massivement. Parce que le salut, la sauvegarde du Cameroun t'engage. Oui, ça t'engage. Ah oui, ça t'engage. Ça t'engage, toi. Sachez que dans ce combat, il n'y a pas de neutralité. Que celui-là qui a déjà dit que oui, tel c'est son président, lui l'a choisi. Il sait pourquoi il le dit. Alors il n'est pas neutre, ça va encore pour lui. Mais toi qui es neutre, qui sais bien que tout ne marche pas, c'est pour toi-même que je viens aujourd'hui te demander de plus être neutre. Parce que à cause de ta neutralité, les gens sont en train de mourir tous les jours. À cause de ta neutralité, rien ne fonctionne au Cameroun. À cause de ta neutralité, rien ne bouge. Le système est chaos. À cause de ta neutralité, on ose voler des milliards, on ose ruiner tout un pays, on brûle de l'argent qui appartient à ce pays. Tu ne dis rien, tu laisses. Ah oui. À cause de ta neutralité, nous sommes arrivés au bout des choses au Cameroun où que lorsque même quelqu'un, on est en train de le tuer à côté de toi, tu passes. C'est comme si ça n'était pas ton problème. Oui. Même toi-même qui vas boycotter la marche, viens quand même le 18 là, viens boycotter. Viens, viens, viens. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Tu croyais que c'était quoi? Pour que tu viennes, il faut venir. On voudrait que tu viennes boycotter. On voudrait que tu viennes boycotter. Donc, on vous appelle massivement à sorte que vous venez rejoindre les vrais Camerounais qui se disent être réellement Camerounais. Venez en abondance ce jour. Invitez des gens. Invitez des gens. Invitez des gens avec vous. Égal de quel côté de l'Union européenne tu vas te trouver, de l'Europe. Ce n'est que des questions de train. Ce sont des trains et ça va très vite chez nous. Maître Kobo, j'arrive pas à te prendre. Je vais réessayer encore voir. Ou peut-être tu devrais tourner ton téléphone ou le mien, moi je sais pas.
vos amis, invitez toute personne qui a parlé du Cameroun tout autour de vous. Parlez du Cameroun, parlez du Cameroun. Parlez comme nous avons parlé depuis. Ça a payé l'ONU est parti au Cameroun pour demander ce qui se passe réellement aujourd'hui. Ils disent que c'est bien. Oui, sors un peu, tu reviens, mon grand, sors, tu reviens. Parlez du Cameroun tout autour de vous. Ne faites même pas une seconde. Le Cameroun devrait être votre boisson, votre nourriture, votre tout. Hmm? Parle, égal ou dans quel milieu tu te trouves, parle pour que ça intéresse les gens. Pour que les gens comprennent la réalité de ce qui se passe. Dites qu'il y a un pépé de 87 ans qui a pris tout un pays en otage. Et qu'il y a des jeunes, des voleurs, des pilleurs qui sont tout autour, qui sont assis derrière et qui disent que oui, je préfère. Alors que mentalement, même ici dans nos pays, psychiquement, il n'est plus dans ses capacités de pouvoir gérer. Oui, dites-le. Dites à tout le monde qui voudrait l'entendre. Dites comme ça. Parce que ce n'est que comme ça que nous pouvons changer les choses. Grâce à ça, vous-même, vous avez vu. Et au Cameroun, aujourd'hui, ils disent qu'ils tournent ça. Ils tournent ça comme ça. Ils disent que oui, c'était par ordre de la présidence. Les menteurs, au début, ils disaient qu'ils ne veulent pas l'ingérence. L'ONU vient faire quoi au Cameroun? C'est qui passe le temps à aller raconter que les choses ne se passent pas bien au Cameroun. Aujourd'hui, ils disent maintenant que ce n'est plus... Les gens de la diaspora, ce n'est plus M. Kamto, ce n'est plus si, ils disent que ça vient de le président. Bonjour, Maître Kobo. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Camerounais qui nous écoutent. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi, c'est Maître Corbeau. Et je suis là toujours pour encourager tous ces Camerounais-là afin qu'ils puissent se lever le 19 et aussi encourager ceux qui en ont un peu, de donner aussi un peu de ce qu'ils en ont un peu pour que nous puissions organiser notre coup de grâce, coup de poing et le chassement de Bia. Parce que le 18... c'est un jour fatal. Ça sera un jour fatal, aussi bien pour le Cameroun que la diaspora. Donc, je tiens déjà à informer les Camerounais que nous devons tout faire à ce que le 18 soit notre dernier combat. Que ce soit le dernier jour de la révolution. Et pour ça, nous comptons surtout sur vous, les Camerounais, sur ceux qui seront au Cameroun. Nous sommes là juste pour vous aider. Nous sommes juste là pour que les instances, les organismes internationaux ou internationaux puissent nous voir comment nous pleurons depuis 7 mois, 8 mois que nous pleurons. C'est vous les Camerounais du Cameroun. On vous fait confiance. On sait comment vous travaillez. Oui, il y en a là qui m'écoutent. Ils savent de quoi je parle, parce que nous travaillons en back-office ensemble. Un big up à celui-là. Il vient d'arriver aussi, surtout. Donc, les gars, soyez tranquilles. Avec ou sans ou avec les Sardinards, nous allons délivrer ce pays, parce que, plus que jamais, les Camerounais sont prêts. Ah oui, je suis en contact avec des Camerounais, des vrais combattants. Et vous verrez ce qu'ils vont faire. On a l'habitude de parler, d'autres ne croient pas. Chacun, il y a un Sardinat convaincu là qui passe le temps à envoyer des messages, je ne sais pas. Tu crois que tu ne le bloques même pas depuis? Non, moi je lui ai dit que je ne les bloque plus. Ils doivent seulement souffrir que écouter. Donc les gars, vous comme nous sommes des sacrifiés pour cette révolution. Et ce n'est même pas nous qui allons vivre, qui allons profiter du résultat de ce dont nous combattons aujourd'hui. C'est nos petits frères, c'est nos enfants et peut-être surtout nos petits-enfants. Montrons-leur que oui, que même si nos parents... Attends, c'est qui ça? T'inquiète pas, j'ai réglé. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle donne mon vrai nom pour qu'il me mette dans la liste noire. Laisse-le. Mais de quoi? Ne réponds pas. Non. C'est même le but. C'est le but. C'est ça qu'ils veulent pour dire que regardez alors. C'est comme ça que tu veux, je donne mon adresse. Tu viens chercher mon vrai nom. Le gros. Ne réponds pas. Continue.
Miamana. va te faire perdre l'eau. C'est typique des petits. Il change toujours de sujet pour te faire perdre le fil Voilà, c'est quoi? Allez de ta comprendre. Le Cameroun va conversation. changer, vous allez Du voir. coup, le message ne Le Cameroun passe va plus. changer. Et le jour qu'il va venir au Cameroun, il sera pour installer le... Il va venir, il sera, comment on appelle l'histoire là, étudié pour installer le nouveau président du Cameroun. Et on va profiter de ce moment-là tous ensemble. Que vous soyez Sadina ou Tontina, on va profiter le jour-là. Et le Cameroun va changer, c'est nous. On va tous profiter. Que ce C'est soit ça nous, qui que les ce soit nos discours. enfants. Nous allons tous profiter, même ceux qui sont contre ce que nous battons aujourd'hui. Vous allez voir demain. Oui, il y en a qui disent que oui, Kamto, ils sont tous les politiciens font la même chose. On n'est pas sûr, Kamto, c'est aussi un traître et tout et tout. Mais oui. Oui, ne vous dites pas que Kamto va arriver au Cameroun demain et après-demain, le Cameroun va changer. C'est impossible. Il ne vous a même jamais promis ça. Il vous a dit que le Cameroun va changer avec vous et pas que c'est lui qui viendra changer le Cameroun. À un moment donné, utilisez vos cerveaux, les gars. C'est nous qui allons changer le Cameroun. Et on a prévu ça, on a prévu plein de choses pour le Cameroun. Max l'a bien dit dans son direct. Que nous, la diaspora, nous allons construire ce pays d'abord. Même avant vous. Donc ce que nous, on vous demande, vous qui êtes au Cameroun, c'est juste de déloger moi celui qui est accroché là-bas en haut. Oui. Déloger ce petit, ce qu'on a là. Ce qu'on appelle le pampon bien. Le reste, nous, on va gérer. Parce que si c'est pour construire le pays, nous, on va construire ce pays. Nous sommes prêts à cotiser chaque mois ce que Max a dit, On que ce va soit. seulement tontiner toujours et on va remettre le Cameroun. On va vous construire les hôpitaux avec la tontine. Nous Mais sommes. vous avez les tontines. Il y a On ne va pas le combien? faire tant que ce gouvernement est là. Il y a combien de Camerounais ici dans la diaspora? Dans la diaspora, que ce soit aux États-Unis, en Europe et en tout ça là. Il y a combien de Camerounais dans la diaspora? Disons même qu'on prend seulement 100 000, comment je vais dire, 30, 1 000 Camerounais, prenons juste 1 000 Camerounais. Au moins, ils sont même 5 fois ou 10 fois ce que j'ai le nombre là. Hein. Donc, prenons juste 1 000 Camerounais, que chacun donne 10 euros par mois. Il dit même par mois. En un an, vous savez combien le Cameroun, vous allez gagner du Cameroun là-bas? Vous savez combien, vous savez, donc, chaque mois, on a dit chaque mois, on va construire soit un hôpital. Ce sont les premiers éléments importants pour le développement de notre pays. Après, voilà, il y aura les routes. Après, il y a plus ce que le gouvernement qui sera en place va investir. Le Cameroun va évoluer d'une façon exponentielle. On va vous parler après 5 ans de pays qui a eu les guerres, qui les gens sont morts au Nosso. On On ne va veut pas vous pas. dire. On va pas vous Non, dire. on c'est On clair. sait que oui, dans vos familles ou même vous-même, vous profitez du système parce que vos parents, soit votre père, soit votre maman travaillent là-bas au ministère, ou alors vous avez peut-être votre petit sucre. Oui, mais ça va jusqu'à quand? Au détriment des gens qui passent le temps à mourir, au détriment des pauvres au Cameroun. Ayez même le cœur sur la poitrine, les gars. Ayez même le cœur sur la poitrine. Il y a le mouvement, c'est la cathédrale Notre-Dame qui s'est écroulée. Il y a à peine un mois, en moins de 12 heures de temps, on avait déjà des 100 000 euros, des 200 000 euros, je ne sais pas qui pour la reconstruction de la cathédrale. Et d'ici 5 ans, cette cathédrale sera reconstruite. Nyan, comment on dit, nyan, comment on dit au quartier, là, nyan, nyan. Nyan, les gars, cotisez, aidez-nous à cotiser, les gars, aidez-nous à cotiser. L'utilaire est encore aux environs 10 000 euros, 10 000, c'est ça? 1 000 euros, pardon, Tentez peut-être de le couler dans 1 000. les 10. Voilà, c'est dans les 10. Normalement, ces 10 là, on devait avoir ces 10 là le premier jour qu'on a créé le litchi. On vous dit qu'en moins de 12 heures, les gens ont récolté les 4, les, enfin, le chiffre même, je n'arrive même pas à prononcer parce que c'est tellement étonnant, franchement. On a ce petit problème de solidarité, que ce soit du côté de Sardina, que ce soit du côté de Tontina. Parce que le Camerounais ne pense qu'à sa tête. Ne pense que quand C'est lui, pour lui, un ça système lui de va. 37 ans. Il faut qu'on les Oui. apprenne. C'est pour ça qu'on va continuer à faire les litiges pour vous amener à être avoir un cœur large, que tu sois Tontina ou Sardina. C'est un problème d'un système de 37 ans. Vous ne Non, comprenez non, non, pas. non, non. Même Écoute, donner écoute, un euro vous dépasse. il y a quelqu'un qui me dit que Kamto a fait partie de ce régime. Oui, et puis quoi? Et puis quoi, Kamto a fait partie de ce régime?
Donc, c'est parce qu'il a fait partie de ce régime qui ne peut plus exercer un autre métier dans ce monde entier. Donc, dès que tu as mis ton pied. Dites-moi aussi que moi qui suis en France, je suis un traître. J'aurais pu dire que, bah, vu que je suis en France, je suis plus Camerounais et je m'en fous de vous. Macron, avant d'être président, il n'a pas été du gouvernement de Hollande. Hein? Sarkozy n'a pas été du gouvernement de Jacques Chirac, c'est ça, non? De Jacques Jacques Chirac. Chirac. Hein? Mais parfois, réfléchissez, non, les gars. Est-ce qu'il faut encore qu'on vienne vous apprendre les petits trucs élémentaires? Est-ce qu'il suffit Ils d'avoir fait réfléchissent bien, partie d'un mais ils veulent autre seulement gouvernement se de faire quelqu'un? entendre ce qui les plaît, c'est pour ça. Vous n'êtes plus éligible à la présidence et gagner les élections normalement. Hein, les gars, s'il vous plaît. On veut Un voir moment toute la donné, les gars. diaspora, égale de quelle ethnie tu te trouves, égale de quel parti politique tu te trouves. On va changer les choses ensemble, c'est ça que vous devez comprendre. Ici, ce n'est À un pas moment donné, question d'une je... personne. Regardez, à un moment donné, franchement, je vais te dire ce qu'il y a dans mon cœur, vraiment. À un moment donné, je n'en veux même pas à ces sardinats-là, ce qu'on appelle les sardinats ou quoi. À un moment donné, je les en veux pas. Parce que 37 ans, 37 ans de zombification, c'est dû d'enlever. Il C'est faut dû vraiment être. d'enlever et c'est C'est ça, on dû. sait. C'est dû d'enlever. Tu ne peux pas venir te lever comme ça. Un jour, tu enlèves un truc qui dure depuis 37 ans. C'est dû. Donc, à un moment donné, je vous comprends. Mais s'il vous plaît, écoutez-nous aussi. Écoutez-nous. Comme vous, on aime ce pays. On ne veut pas la guerre dans ce pays. On est juste Pas ça. soucieux Et ce n'est même de pas ces pour quelqu'un personnes qui qu'on fait meurent tous ça. les jours. Sachez que ce n'est pas pour quelqu'un ou pour un parti politique qu'on fait, c'est pour la survie de tout Camerounais. Mettez ça dans votre tête. On veut voir tout le monde, que tu sois de Cabral, que tu sois de Matomba, que tu sois de Paul Biya, que tu sois de Kamto. Donnez On la chance. te veut le district. On te veut le Donnez district. juste la chance aussi à quelqu'un. Parce que 37 ans, écoutez très bien, 37 ans, 37 c'est ans, beaucoup. Donner la chance à c'est trop, n'importe les qui, gars. on s'en fout. Mais le Cameroun doit changer. 37 ans, même si Kamto arrive dans ce pays-là, même si Kamto arrive à la présidence, et qu'il ne fout rien, tu comprends? Ça serait déjà mieux, parce qu'on aurait déjà traversé une étape. Des zombifications, il Au ne sera moins, plus. on sera Au déjà moins, quand on ne même sera quitté les plus sous 37 ans l'emprise de la même routine. de. Donnez la chance aussi à quelqu'un de vous prouver qu'il peut, même si après il n'arrive pas. Macron a fait sa campagne politique là. Il a tellement émerveillé le monde. On se disait qu'il allait venir au manque. Les pauvres devaient devenir riches et les riches devaient céder l'argent aux Mais qu'est-ce qui se pauvres. passe actuellement? Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce Gilet qu'il jaune sur fait. gilet jaune. Tous les Grève jours. sur grève. Tous les Mécontentement sur jours. mécontentement. Alors, pour vous dire que c'est l'affaire du peuple, ce n'est pas l'affaire d'un certain parti politique ou d'une Oui, personne. Thierry On veut Mathias, tous mais on vous voir le veut à la 18. France-Afrique. Arrêtez de dire que comme Merci, Kamto a fait papa partie Thierry du mouvement Martial. On veut africain. juste dire non à la France-Afrique. Tous dehors. Tous dehors ce jour. Arrêtez de dire que comme Kamto a fait partie du gouvernement français. Il ne peut pas être présent au Cameroun parce qu'il va trahir aussi le. Non! Arrêtez-nous ça, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment on va. Je ne sais pas quel verbe je vais utiliser pour vous dire, pour vous demander d'arrêter ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut Moi, je pas suis rester en sur France. un laxisme et sur un truc où on tourne en rond depuis des décennies, les mêmes ministres, le même gouvernement, les mêmes personnes, les mêmes pilleurs. Quand on les attrape, ils volent l'argent, on les met en prison, on ne récupère rien. C'est la même routine tous les jours. Camerounais, assez, levez-vous et prenez vos responsabilités. Levez-vous afin que nos Il a milliards restent dit, chez nous. ce monsieur, je ne sais pas pourquoi, je vais revenir sur lui en fait. Il a dit, ce monsieur Kamto, que si il avait mangé un seul 5 francs de ce gouvernement On l'aura camerounais, qui arrêté avait le coûté puits, on plus l'aura d'un pas seul arrêté 5 parce francs. qu'il a simplement marché. Il a dit ça haut et fort. Parce que tu sais comment, tu sais que quand tu dis ça et que tu manques même d'abord parfois là, ce qui sort derrière après, non, comment les journalistes vont aller chercher pour se rassurer que oui. Ce que tu dis là est vrai ou faux, pour t'enfoncer encore correctement et bien. Il a dit ça plusieurs fois, même dans ses lettres. Il a dit et redit. Donc, si c'était même faux, on serait dans cette histoire-là aujourd'hui, en train de parler jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui fait que c'est vrai, il n'a jamais mangé un seul franc, un seul franc, un seul franc de ce gouvernement derrière. Soyons même d'abord un peu Sinon, qui logiques. Tu sera vois mensonge? le gouvernement actuel là, avec tous le genre de preuves accumulées par ce monsieur-là, ayant leur argent, on te laisse manger comme ça là.
Ils auront profité pour l'occasion pour l'incarcérer à vie. Regardez le meilleur ami, mes bons gars de Paul Biya. N'est-ce pas le valoir derrière? Pour te prouver que même si tu es l'ami, même si tu es le pote de Paul Biya et que tu manges un peu l'argent, on te met là-bas derrière après. C'est ça. C'est pas Kamto qui devait échapper s'il avait volé aussi. C'est pas lui qui devait échapper. Donc arrêtez de croire que comme. Oui, arrêtez. Arrêtez. Donnons la chance à quelqu'un qui a su se démarquer. Oui, Kamto s'est démarqué. Si, que vous voulez ou pas. Kamto s'est démarqué. La preuve, aujourd'hui, on parle encore des élections présidentielles. À cause de Kamto. Enfin, grâce à Kamto, autant pour moi. Oui. Et que beaucoup de Camerounais ont été éveillés grâce à lui. Et que je vais vous dire, je vais vous dire et redire que je ne suis pas MRciste. La Oui. plupart, c'est ce que les gens ne comprennent pas, que la plupart Je ne des suis personnes pas qui sont MRciste. entrées dans cette révolution ne sont même pas Je suis. Non, non. MRCistes. Ils ne Je vais sont même les d'aucun surprendre. parti politique. Ce sont des gens qui ont juste un Je grand vais même amour les pour le surprendre. Cameroun et veulent voir les Je choses vais changer. même les surprendre, maman. Je suis un capitaliste qui ne savent même pas ça. Je suis un capitaliste à la base. Et Donc, que toi aussi, moi, tu étais même Cabral. j'ai convaincu. Gars, Oui, je tu suis un capitaliste à la base. Et j'ai étais un. convaincu mon grand frère, Platini, ceux Allô? qui connaissent Platini, Tu sais te d'adhérer rappeler plus tard, s'il au parti de Cabral. Oui, il a fait sa carte. plaît? Donc moi, je te rappelle. Oui. Ça Nous sommes pas du MRC. Merci. Bisous. Écoutez bien ce que nous on vous dit. Nous ne sommes pas du MRC. J'ai convaincu mon grand frère Platini à adhérer au MRC, adhérer au parti Univers de Cabral Ibi. Oui. Nous sommes pas, nous n'avons jamais été des camptoïstes. Jamais. Nous sommes pour la démocratie et le respect des libertés et des voix que le peuple a accordées à quelqu'un. Si ce jour-là, ce qu'on avait accordé à Cabral Ibi, moi, je serais On taire. aurait aussi parlé tout autant de lui comme on parle Si de Kamto. ce jour-là, on avait accordé à. Qui y avait encore qui? À Kérémonie. Non, à Kérémonie, on avait fusionné avec eux. Avec Avec. Kamto. Nous Matoma. sommes pour le respect de ces voix. On n'est pas là pour. Parce que, voilà, parce qu'on aime Kamto. Qu'il soit. Enfin, je ne vais pas être tribaliste, qu'il soit Bamleko ou pas, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Si Cabral Ibi, je dis Cabral Ibi, c'est un gars qui m'a ébloui pendant 2 ans. Que je regarde le monsieur-là comme ça, je rêve que de lui. Je dis, je rêvais de ce monsieur. Et j'étais prêt à ce qu'il poursuive. Que comme lui, il a dit qu'il a gagné les élections. Là, parce que lorsque Kamto a dit lorsque Kamto a déclaré qu'il a gagné les élections, Cabral Ibi est aussi venu dire que moi aussi, Il a aussi j'ai gagné les gagné. élections. Mais Donc, ils je se vais sont être beaucoup plus prêt. attardés sur Kamto que de s'attarder aussi sur les dires de Non, Cabral. non, Moi, je ne comprends pas. laissons même Kamto. Comme Cabral Ibi a déclaré qu'il avait gagné les élections là, j'étais prêt à suivre Cabral Ibi que oui, insiste jusqu'à la fin, comme Kamto t'a dit d'insister, Mais non, ne tout te le monde lâche le suivait pas, jusqu'à la fin. C'est lui qui insiste, a désisté. C'est lui-même qui a désisté. Il a dit passons à autre chose. je serai derrière lui. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est Et c'est allé ça au qui a Sénat. révolté beaucoup de personnes qui étaient cabralistes, qui se sont mis dans Oui, la révolution bien et sûr. dit jamais. Il est allé aux États-Unis. Il a fait, je ne sais pas, 1 mois. Quand il est revenu, les joues avaient gonflé. Le gars avait pris le poids. La fille était même Kérosène! pleine. Kérosène! Il te dit, le kérosène, le pétrole du village était devenu kérosène. Il s'est tapé des belles joues là-bas aux États-Unis. Bien. Il dit, les joues avaient gonflé. Le gars avait pris le poids. Non, non, les gars. Gars, en Un passant, moment avec donné. le forum, on vous attend le 18. On vous attend le 18. Moi, je vais chanter ça tout le temps. On vous attend le 18 et le lien, il tient en bas, cotisé. Continue, maître Oui. Corbeau. Dans un moment donné, non, les gars, les Camerounais, vrai, vrai, on n'a même plus besoin de vous dire que A plus A égale A, plus A égale à A plus A, ou A fois B égale à AB. On n'a plus besoin de vous dire ça. C'est visible. Quand vous voyez comme ça, vous ouvrez vos yeux. Ça se voit. On n'a plus besoin de vous convaincre, les gars. Ça se voit. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, en fait, les Camerounais. Ils se sont levés pour dire que oui, Kamto a prôné le tribalisme, oui. Franchement, il y a des gens aujourd'hui qui ne sont plus du MRC, tout simplement parce qu'ils disent que Kamto a prôné le tribalisme. Mais on les pose la question, de quelle façon il a prôné le tribalisme? Personne ne peut Qu'est-ce répondre. qu'il a fait? Rien. Dans son parti politique, depuis que ça a été créé,
Le gars a dit que dans son parti politique, ça doit regrouper toutes les 10 régions du Cameroun. Et c'est ça. Le vice-président. Donc, En soi, mon grand lorsque Tom tenait combattant, pas là, c'est Calibri, Mamadou Calibo. Mota. Lorsque Tom tenait pas là, c'est Mamadou Mota qui prend le pouvoir. Mamadou Mota n'est pas Bamleke. Il n'est même pas du centre. Il n'est même pas du sud. C'est un gars du Papa nord. prend maintenant toute la jeunesse qui est tout autour de lui. C'est incroyable. Il n'y a presque aucun. Il n'y a même pas presque. Il n'y a aucun. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que dans vous les voulez Camerounais? qu'on vous montre Non, encore, non. la famille? Vous voulez qu'on vous supplie? Vous voulez qu'on se couche au sol? Enfin, parce que j'ai déjà tout étudié. J'ai déjà étudié tous mes verbes, tous mes mots. J'ai déjà étudié tous mes mots, en fait, ces gars-là. On a déjà tellement J'ai utilisé foutu nos tout. mots ici. Vous voulez toujours nous faire dire ce que nous n'avons jamais dit. La base, par exemple, c'est déjà époumoné à vous dire qu'il ne fait pas partie du MRC. Vous les avez collé l'étiquette MRC. Les gars ont accepté même à la fin. Ils ont dit OK, ça alors comme vous voulez. Moi, par exemple, la Twins, elle vous a déjà dit mille et une fois que je ne suis pas MRC. Je ne suis non pas camtoïste, mais je suis pro-camto, ses idées. Vous ne voulez pas. OK, je m'en fous. Je suis même MRC alors à la fin. C'est pas un problème. Mais vous n'allez pas changer que nous avons eu la même idéologie. Tous ces gens ont la même pensée. C'est ça qui fait en sorte qu'ils soient un. Ce n'est pas le parti qui les réunit. Merde. Ce n'est pas le parti qui les réunit. Mais c'est l'idée, c'est l'honnêteté, c'est les lois pour tous, c'est la bonne survie de tous qui les réunit. Et que vous le vouliez ou non, le Cameroun changera. On veut vous voir, vous tous, le 18. Venez. Que tu sois Cabral, waouh. Kamto, waouh. Biao, waouh. N'est pas toi-même, tu viens ici dans mes directs tout le temps, tu dis que oui, on veut le changement. Oui, on sait que Bia va partir. On s'en fout. Mais ça ne sera pas avec Kamto. Viens le 18. Mes gars, Toi comme je qui dis, disais. oui, même Kamto là, même Paul Biya là, c'est Cabral, non, seulement Cabral. Viens le 18. Viens Bonsoir, mon le 18 pour général faire ton patriotisme, ton Calibri. changement, ton vouloir du changement. Bref, comme on disait, les Camerounais sont réveillés. Mes gars travaillent, je te jure. Les gars travaillent au blé. Allez voir le jour là. Vous allez voir le. Moi, non, je suis sûr. C'est même plus un truc que je doute. Je sais ce qui va se passer, ce qui va se passer le 18. Je sais. Les Camerounais vont sortir. Ils en ont Et c'est marre. pourquoi on vous demande donc de participer. Participer. L'autre est venu tromper qu'avec 36 000, vous pouvez vivre bien au Cameroun, aisément. Alors que l'autre, il y en a même qui n'ont même pas 20 000. Ces gens-là vont sortir. Je sais que ces gens-là vont sortir. Massa. Il y a même Oui. quelqu'un qui a même carrément fait un rire euphorique en disant carrément que donc vous nous trompez. Si vous pouvez vivre avec 36 000, on te donne 50 euros, tu dis que c'est petit. Ton ministre a dit que vous pouvez vivre avec. Maintenant qu'on te donne 32 500, tu es fâché. Ne vous inquiétez pas, les gars vont sortir. Même jusque-là, Et personne ne s'est fâché. Personne n'a dit que ce que le ministre là a dit n'est pas bien. Le 18, on vous non. attend massivement. Et cotisez sur le lien litchi en bas. En bas, s'il vous J'ai plaît. compris. J'ai compris les Camerounais. Je vais pas donner ce que je pense d'eux ici. C'est ce jour-là que. Ce jour-là, ce qu'ils attendent, on va les faire sortir ce jour-là. Parce qu'ils attendent, ils veulent quelque chose. Que quelque chose se produise avant qu'ils sortent. Ça va se produire. Restez juste tranquille. Vous allez sortir, les Camerounais. C'est que les gars-là, ils attendent quelque chose pour sortir. Ils vont sortir le Ils vont 18. sortir, il y en a plein Oui. même qui avaient déjà dit que ne vous découragez pas parce qu'on compte sur vous. Nous, on attend seulement le bon moment et le moment pathétique. Et c'est le 18. Ils vont sortir le 18. Ils vont sortir. Et Ils ce vont qu'ils attendent là, sortir. ce qu'ils attendent là, ce n'est plus la diaspora. Hein. C'est au Cameroun que ça va produire. Et vous allez voir, ils vont sortir le 18. Papa, Vous allez viens. Même sortir si tu le viens 18. avec ton t-shirt écrit Cabral, explique les calibres, Maître Kobo. Explique-les. Il dit que s'il si vient avec son t-shirt, mais il y aura même tout le monde, même les ambazoniens, il y aura tout le monde, c'est la survie du Cameroun. Mon frère, on vous a dit que nous, les combattants du Cameroun, que ce soit dans la diaspora ou que ce soit au Cameroun, on n'est pas MRCiste. Hein. Ce n'est pas Que le tu sois MRC. Viens même Cabalito, chez que Cabral, tu viens sois avec ton t-shirt Kio, que Cabral tu écrit sois dessus. Quoi, que Viens tu même avec sois le caleçon écrit Nefou, Cabral. je sais Viens que même toi avec tu les veux le chaussettes. changement. Je sais que toi tu veux le changement, que tu sois Cabraliste, que tu sois Camtoïste, que tu sois je ne sais pas Tu quoi. en Il y as a marre de beaucoup. vivre comme tu Que tu vis. sois même Viens. Sardina, parce qu'il y a les Sardinas là même qui veulent même vraiment le chassement là. C'est juste qu'ils ne veulent Eux-mêmes, ils le pas. disent. Oui, ils le disent. Voilà, ils ne veulent pas juste derrière des. Pour tous ces gens-là, non.
Venez le jour, apportez-moi les t-shirts de Camto, de Capra Libye. Vous venez pas chasser. Notre problème. Même quelle association, ça ne nous Non, dérange non. pas. On En veut fait, vous voir que le district. écoute, Même ce qu'eux n'ont pas le compris, RDPC, venez. ce qu'eux n'ont pas compris, c'est que, en fait, eux, ils croient qu'on veut chasser Mbia pour installer Camto. Ce n'est pas ça, les gars. Pas ça. Détrompez-vous. Parce que ce qu'on va se passer, Camto a déjà prouvé qu'il a gagné les élections. Et c'est passé. Maintenant, il se bat. Camto se bat aujourd'hui pour que le Cameroun d'hier devienne Des lois, un Cameroun de l'avenir. un Chaque vrai jour. Cameroun, Voilà. Il ne se que bat ça même plus pour change, être président de la République. c'est pas la Donc, présidence. nous, société civile, quand je dis nous, je parle de vous aussi, société civile, on va organiser les élections. On fait le chassement, donc les camtoïstes, les cabralistes, tout ça. Sortez, on chasse Paul Biya. Et ensemble, nous organisons C'est entre pourquoi tu nous devrais l'élection venir au district présidentielle. Mamadou Abo. Où Viens le chaque candidat se district. représentera. Et ensuite, le gagnant prendra la maison d'étudiants. Si c'est Cabral, tant mieux, on est avec lui parce que, voilà. Si c'est C'est notre Camto, président. tant mieux, on est avec lui. Ça ne sera plus RDPC quand même. Oubliez ça dans vos têtes. Ils ne vont même pas se... On ne va même pas accepter qu'il se représente. C'est mort. C'est mort. On a dit qu'aucun membre de ce gouvernement ne se représentera. Aucun parti. Donc, oubliez même Nicolas. Oui, même avec les ballons visionnaires, ils doivent venir avec les ballons, ils écrivent tout ce qu'ils veulent sur le ballon là, ça nous regarde pas, Oui. mais on Pardon, veut les gars. voir tout le monde le Non, mais. dimanche. Ils ont cru que. Peut-être que les gens croient que nous, ce n'est que les gars du MRC qui. Nous, on ne veut que les gars du C'est quand ils MRC vont pour venir. voir la Non. foule qu'il y aura là-bas qu'ils vont comprendre que ce n'était pas du jeu. Donc, C'est à même pas le toi MRC. de faire partie de l'histoire. Fais partie de cette histoire, au moins tu auras quelque chose à raconter pour tes enfants. Tu leur Écris ton nom. diras que tu as contribué. Attends, devise Kamto. Oh, rien. Non, 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 non. Non, non, je réponds à Rodrigue Ndikosa. On n'a pas de devise Camto ou rien. C'est que Camto a tellement fait du bien et tu le sais, tu ne veux même pas, tu Demande t'as à confié Rodrigue trois est-ce qu'il est venu millions. avec un projet? Il nous a montré, il a Voilà. palpé, il a expliqué aux gens et les gens ont dit qu'ici il n'y a pas la vérité, on ne l'a pas suivi. Voilà. Exactement comme les Camtoïs, les Sardinas sont bloqués, zombifiés depuis 35 ans, on n'avait pas à retirer ça. C'est exactement ce que Camto est venu nous faire. Il nous a prouvé qu'un Cameroun est un Cameroun meilleur. On peut avoir un Cameroun meilleur. C'est pour ça qu'on ne fait que taper son nom. Mais ne vous inquiétez pas. On chasse Paul Biya. Ce n'est pas lui qu'on va installer. On va réorganiser ces élections. Parce que de toutes les façons, Exactement. les élections ont été truquées. Donc, même Le but, ce n'est pas de le mettre quelqu'un là-bas avec la force, Oui, non? ces élections ont été truquées et tout et tout. Les partisans dans le Venez Camto ont le droit massivement. de Venez crier que, oh, massivement, on Camto. vous attend. On va pas les empêcher de crier que, oh, Camto. Ce sont les passants de Camto. C'est normal. C'est normal. Maintenant, nous, société civile, tout comme on vous parle là, nous allons organiser les élections. Mamoudou, viens le C'est lui qui a gagné 18. la Viens présidence. le 18. Donc, il ne faut pas empêcher les Ici, ce gens de n'est pas crier l'affaire Camto de parce qu'il y a quelqu'un. aussi C'est l'affaire de des tout partisans de Camerounais Camto. qui prône un changement meilleur. Il y a aussi les partisans de Bia qui prennent, oh, Bia partout. Il y a les partisans de Cabral qui sont toujours là, Eux-mêmes, ils sont divisés. Eux-mêmes, ils en ont marre. Eux-mêmes, ils voudraient que les choses partout. changent. Donc, les gars, arrêtez de croire que Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un. C'est l'histoire d'un chassement, peuple. c'est pour nous. Non, Venez. non, non. Oui, si c'est qu'on chasse Bia et qu'on organise les élections, Camto gagne, ben, c'est qu'il a gagné. Si c'est Cabral qui gagne, c'est qu'il a gagné. Nous ne sommes pas là pour vous l'installer. On ne peut pas installer, c'est mort. Ou bien même ça, on ne peut plus installer. Généon Bakom, moi, à ce qui me concerne, ici, nous, on ne parle pas ici de la politique, on parle de la survie des Camerounais, de la survie de toute une nation, d'un peuple. Alors, dire qu'il faudrait que les gens se réunissent, ils peuvent le faire s'ils le veulent. Nous, on est qui pour venir leur dire comment ils vont essayer de Je vais faire en sorte répondre à qu'ils aient Gérer. un parti politique colossal afin de pouvoir bâcler le système. On a compris que même avec un parti politique ou sans parti politique au Cameroun, si le Camerounais, l'âme d'un ne se lève pas pour défendre ses intérêts, rien ne bougera et rien ne bouge. C'est pourquoi vous devez vous lever. D'abord, réclamez votre souveraineté et puis vous la donnez à qui vous voulez. Gédéon, Debout, tout le 18. tu veux qu'on crée une partie, une plate quoi là? Elle a dit quoi? Une plateforme pour de l'opposition, pour faire quoi avec? Vous voulez qu'on prenne des pattes? Non. Sortez tous au 18, comme vous soyez au Cameroun ou ici en Europe. Sortez tous au 18, on n'a même pas besoin de créer une plateforme. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez faire travailler les On gens comme ne ça là? parle pas ici Ça fait des 18 ans qu'on travaille. opposition.
politique aussi. On parle de la survie des Camerounais, des enjeux qui sont tout autour des Camerounais. On est le Camerounais lambda qui sait qu'il ne peut pas vivre avec 36 000. C'est ce Camerounais lambda-là qui se plaint et qui réclame. Ça n'a rien à voir avec la politique. On réclame nos intérêts, on réclame nos milliards, on réclame notre argent que vous dilapidez à gauche, à droite. Voilà de ce qu'il est question. Vous enlevez toujours les intérêts du Camerounais pour venir mettre la politique. Laissez-nous avec votre politique. Après qu'on a chassé le gouvernement, on a pris notre souveraineté. Nous, on va le donner à qui on veut. Si toi, tu veux le donner à Kamalo, papa va donner. Si tu veux le donner à Kamto, papa va donner. Mais notre problème, ce qui nous intéresse actuellement, c'est que le Cameroun d'abord change de souveraineté, change de gouvernement, change de tout un comble dans ses lois. Tout est barricadé et ça ne peut pas. C'est Les gars, barricadé monsieur à le la faveur président, d'une seule personne et d'un seul parti politique. Voilà ce que les vous ne gars, voulez pas voir et ce que vous ne voulez pas accepter. mettez le cœur et partagez, les gars, mettez le cœur et partagez, s'il vous plaît. Voilà de Mettez quoi le il est cœur et question en partagez. réalité. C'est pourquoi tu devrais venir le 18, pour qu'on marche ensemble, pour qu'on reprenne notre souveraineté. Et puis on le donne à qui de droit, à qui on veut. Quitte à Ah, refaire monsieur. les élections, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas question de Kamto, ce n'est pas question de Biya. C'est question de notre survie et de notre peuple. Vous croyez que même les combattants, les gars qui sont au Cameroun, qui font le direct là-bas, depuis ces dernières semaines, les gars, nos vrais combattants là, qui font le direct au bled là, vous pensez qu'ils sont du MRC? On a longtemps dit que oui, ou la diaspora, vous faites les directs, venez au Cameroun aussi, venez au Cameroun aussi. Venez au Cameroun, il y a aussi les Camerounais Voilà qui les sont oui. gars. Voilà les gars qui sont au Cameroun. Ils font le direct pour vous appeler, vous, au Cameroun. Vous avez longtemps parlé que oui, nous, à la diaspora, on ne foutait rien, qu'on appelait les gens, on appelait les gens alors qu'on était en Europe, on ne pouvait rien faire. Les gars sont au Cameroun, non. S'il vous plaît, écoutez ces gens qui sont au Cameroun. Prouvez que oui, nous, on vous a envoyé Nous, mourir. on On est vous a envoyé bêtes. mourir. Prouvez donc que nous, Que on nous est sommes idiots bêtes. Voilà les aujourd'hui. gars qui sont au Cameroun. Vous Les disiez gars que oui, c'est vous les gens de la diaspora là-bas. Nous, on est haïssent gays. les Nous, on est pères. gays. Et voilà des gens engagés. Non, mais putain. Non, mais. Les gars sont au pays. Ils gèrent. Ils sont prêts. Ils disent que les gars sont les sacrifiés. Comme vous dites que les gars, nous sommes les sacrifiés dans la diaspora. Non. Non. Les gars sont sacrifiés au bled, vraiment. Les gars sont déterminés. Et pour votre information, ils ne sont pas du MRC. Ils ne sont pas du MRC. Donc, à un moment donné, arrêtez ces histoires que oui, c'est toujours que les gars du MRC, les gens du MRC qui veulent chasser, qui veulent le chassement. Non. Arrêtez Une cette nation musique-là. sans espoir On a social. trop écouté cette Et tout le musique-là. monde voit ça. Et pour eux, c'est normal. Ils disent oui, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas. Tout le monde est sauvetteur, tout le monde est basiquineur. Quelle société qui peut fonctionner comme ça? Non, Et mais pour vous, changez tout de va discours. bien. Pour vous, tout va bien. Venez, vous tous, venez le 18, pour qu'on arrache notre souveraineté, on le donne à qui de droit, à qui on veut. Ça sert à rien de se placer, insulter, dire Kamto, dire ci, dire ça. Tu es pro qui oh, viens seulement, viens te battre pour cette personne-là. Si C'est pour ça qu'on on a t'appelle des le 18. sardines, si on a des tontinao, des sardines cachées qui supportent notre révolution, les gars, voilà le PayPal, s'il vous Voilà le plaît. bon moment de venir nous montrer que tu es S'il vous plaît, caché oh. derrière. Parce que Mettez-nous, même le si, tontinat là mettez-nous va même s'affirmer. 5 euros, même 5 pour ceux qui ont, mettez même 5 euros, et vous jure que ça va beaucoup nous aider, 5 euros. Si chacun met 5 euros, je vous jure que ça va atteindre beaucoup d'argent qu'on a donné pour la cathédrale de Notre-Dame là. Donc, Ah, ça, c'est vrai. Toi, s'il vous plaît. Camerounais, qui as assoiffé du changement, égal de quel parti politique dont tu te trouves. Si tu sais intérieurement que ton pays vit dans la précarité totale et que tu ne peux pas vivre avec 36 000 francs, on veut te voir le 18. Voilà. Que tu sois sardina ou tontina, parce que moi je dis ici là toujours, je ne déteste pas les tontinas, les Point sardinas. du tontinat. Je comprends. Et on vous Je a dit que comprends c'est quelque chose dans d'état quel d'esprit. traumatisme vous vous Ça trouvez. n'a rien à voir avec le MRC. Un tontinat, c'est celui qui veut travailler et qui travaille pour avoir tout ce dont il a besoin. Il s'est gosé quotidiennement pour améliorer ses conditions de vie. C'est ça qu'on appelle la tontina, Et le justement, la tontina. tontine a dit que Et vous allez son pays, c'est maintenant la travailler. tontina vie. La tontine a dit que vous allez maintenant travailler pour avoir ce que vous voulez et non rester chez vous, attendre qu'on vous Attendre nourrisse pour que vivre voyager, le jour le manger jour et pendant en que les autres faveur meurent de. chez eux là-bas. C'est ça la différence entre le tontine et la sardine, la sardine à vie. C'est Le tout, hein. sardinat Il n'y a pas aussi, autre c'est chose, hein. ça.
Il passe son temps seulement à avoir de l'espoir pour qu'on le soudoie, pour qu'on lui donne de monnaie. Vit sur la corruption. Il y a plein là qui ont dit que oh, quand tu veux prendre le pouvoir parce que on n'aura plus. On n'aura plus l'argent, il va tout confisquer et tout. Non, non, non. C'est qu'il va mettre les choses dans l'ordre. Il va confisquer. Il va seulement te donner ce que tu as droit. Quand il faut. Mais il va plus te donner des avantages que tu as. Un pays où quelqu'un a peut-être 5, 6, 7 salaires le mois. Jamais tu dans le salaire. Tu as tes primes de salaire, tu as tes trucs mensuels. Tu travailles tes 35 heures. Tu n'as pas besoin de travailler 40 heures comme je vois les Camerounais qui sortent à 8 heures et rentrent à 20 heures, 23 heures. Non. Tout sort de tout ça. Tu dois. Et en fait, au Cameroun, encore d'autres qui ne travaillent pas, mais il a peut-être 7-8 salaires. Tu ne sais pas comment il fait. Parce qu'il est nandi. Il est l'enfant de l'enfant. Il y a d'autres sardinats ici en Europe. Non, les salaires là-bas, du gouvernement, hein, il faut le dire, il faut noter. C'est ça que j'ai dit, c'est ça. Et c'est cela qu'on appelle les sardinats. Donc, comprenez que ça n'a rien à voir, être sardinat, ça n'a rien à voir à un parti politique quelconque. Être sardinat, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas la division, Rodrigo. Ce n'est pas une division. C'est un concept. Voilà, si tu veux. C'est un concept. Et on ne va pas changer. Si tu vas suivre les gens de la révolution à cause de ce concept de sardinat et tontinard, tu as perdu ta route parce qu'on ne changera pas ce concept. Tout Camerounais sait qu'il y a des sardinats et des tontinards. Les parvenus, ceux qui vivent seulement aux dépens de ceux qui, je ne sais pas, qui sont nantis. Même le procès Niamsi, là, comme des sous. Vous prenez ces impôts-là pour donner à ceux qui ne foutent rien. Oui. Et dans la sardinerie... Ne viens même plus. Ne viens pas à la main, si tu veux. Reste là-bas, chez toi. Ne viens dans, pas. Dans la sardinerie, écoutez très bien ce que vous dites. Professeur Niamsi l'a si bien dit. C'est un concept. Dans la sardinerie, il y a les boulots, il y a les bamilekés, il y a les il y a nordis, toutes les régions, il y a toutes les tribus, toutes les langues. Dans la tontinavie, il y a pareil. C'est pas comme s'il y a une ethnie, c'est pas en fonction des ethnies. Donc c'est un concept, Rodrigue, il faut que tu mettes ça dans ta tête, s'il te plaît. Ce n'est pas une expression de division. C'est une expression pour mieux localiser le vrai Camerounais, parce qu'il y a deux catégories en réalité. Oui. Il y a deux catégories, les travailleurs qui se poumonnent et ceux qui ne font rien mais qui profitent du système. Donc, deux classes sociales dans lesquelles on rencontre beaucoup de sous-classes. Dans les tontinavis, il y a des sous-classes et dans les sardinavis, il y a les sous-classes. Ce n'est pas une histoire d'ethnie ou quoi que ce soit. Allez écouter le direct de Niamsi de la semaine dernière. Il le détaille tout. Il dit bien tout. Donc, arrêtez de croire quand on dit sardine. Ça, c'était avant. Changeons de disque, les gars. Changeons de disque. Les trucs qu'on a dit au lendemain du 7 octobre, là, arrêtez ça. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Vous avez écouté professeur Messanga, ou c'est Messanga Niamsi, non? Vous avez vu à la radio, non? On a vu son poste. Pour moi, il racontait d'abord que, oh oui, quand tu dois être arrêté, ceci, cela, parce qu'il a fait ceci, cela, là. Vous avez vu ce qu'il a dit hier? On appelle ça le retournement des vestes à une vitesse exponentielle. Le gars là est fort. Je donne les mots à Niamsi, à Messanga Niamsi. Le gars là est fort. On a dit le retournement des vestes de façon exponentielle. Je dis, blagué. Voilà. Bon, la famille, déjà, Il y a quelqu'un qui demande l'argent qu'on demande, Franck. L'argent qu'on demande pour les litis, l'argent qu'on demande pour le litis servira à quoi? Je vais t'expliquer. Si tu es, je vois bien la photo, j'ai l'impression pour l'organisation de la marche. Oui, oui. Il faut bien expliquer parce qu'il y a des. Il est en Europe. Donc viens ce jour-là. Il y a la sécurité à payer. Tu verras ce qu'on fera. Il y a les flyers. Non, tu n'as même plus besoin de détailler. Viens, viens le jour là, le 18. Tu verras. Tu verras de tes propres yeux. On y aura un compte rendu ici, même à mon Dieu Vision, devant tous les Camerounais pour vous détailler à quoi a servi votre argent. Oui. C'est ça qui fait notre spécificité, l'honnêteté et la clairvoyance. On n'a jamais rien fait et puis qu'on ne presse pas un direct pour donner un état rendu des comptes et le combien en total. Donc voilà. Sur ce, la famille. Je dis encore vraiment un big up à nos combattants du Cameroun. Vraiment, merci beaucoup pour tous ceux qui sont en train d'adhérer et qui se mettent dans le pas des rangs maintenant.
J'invite ici, sur ce, à toute personne qui est connectée actuellement d'aller à liker la page Combattant 237. S'il vous plaît, c'est impératif et important. Comme ça, vous allez voir au moins le cheminement, comment les choses évoluent quotidiennement de leur côté, pour vous montrer que le Cameroun, même en soi, s'est levé. Il a dit non cette fois-ci. Ce n'est plus la diaspora, ce n'est plus question de la diaspora. Parce que c'est même du Cameroun que viendra leur solution. Ce n'est pas la diaspora. La diaspora vous a déjà donné un canevas. On vous a déjà donné un chemin. On vous a déjà fait connaître, même dans le monde entier, qu'au Cameroun, tout ce qui se passe n'est pas normal. Maintenant, c'est à vous de faire le reste. Allez liker la page, s'il vous plaît. Allez motiver, amener les jeunes à adhérer à ce mouvement des jeunes pour son propre intérêt et son intérêt futur. Parce qu'on a des dettes à payer. Je ne sais même pas si nos enfants même vont pouvoir payer toutes ces dettes-là. Voilà. De deux, il y a ma tante Tayo actuellement qui est en ligne. Vous savez que quand il y a toujours des directs avec des informations importantes, ça ne sert à rien de faire des petits directs sous des directs. Donc, j'invite tout le monde qui sont connectés actuellement sur la page de Twitch de se diriger chez ma tante Tayo officiel afin de continuer le direct là-bas parce qu'il y a des choses qui vont sortir. Lui, il est généralement dans Oui, le c'est l'avion. Ce n'est même oui, plus le dans le. TGV de l'information, c'est l'avion Voilà, de donc l'information. essayez d'y aller là-bas Mimi, et suivre le oui, c'est direct. mon Mimi. De trois, n'oubliez pas de toujours continuer à tontiner. C'est très, 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 très important pour la Non, la révolution. meilleure des choses, les gars, tontiner, les gars, la C'est tontine. tontiner, c'est la tontine qui fait évoluer le pays. C'est pourquoi les banques existent. C'est pourquoi les banques existent. Qu'on ne vous trompe pas, c'est la tontine. Et on va élever le Cameroun en 10 ans avec la tontine. Ça ne sera même pas avec l'argent de votre gouvernement, c'est la tontine. Oui. Donc, sur ce, aussi, s'il vous plaît, on se donne rendez-vous le 18. Maître Corbeau, on se prend en inbox. Bravo pour le Toujours, toujours. travail aussi que tu effectues, toi, de ton côté dans l'ombre. Vraiment, tu es chapeau. OK? C'est mon devoir, c'est mon devoir, c'est mon devoir. Merci beaucoup, à Et à plus. vous, et à vous, dirigez-vous chez ma tante Tayo avec un grand bisou. Je vais vous laisser et bien à vous et passez une très belle soirée. Bisous.